J'ai juste un petit peu baissé le son, les gens. Le mettre au moins à 20%. Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live. Hein. Si vous avez des questions au sujet du jeu ou autre, vous pouvez les poser, moi je vous répondrai. Ton badge du Gravelhomme a relevé de faibles concentrations de phénomes. Il est jaune. Bon travail.
de merde qui veut sortir pendant que vous faites un live. Voilà, déjà un trophée. Ma gueule, hein.
aider son familier à vendre. Il a besoin de pognon. Pour éviter de dépenser mon pouvoir physique, mettre un point juste ici, comme ça après je reviendrai parler à Mindy. Ces glouglous n'ont même pas sourcillé. Ils continuent à manger la ville. Va parler au professeur Rose Grise. Elle saura peut-être quoi faire. Je vais tâcher de les contenir un minimum. Bon, on va aller voir Madame Rose Grise, hein. Alors. Ah, bonjour. Tu as déjà accompli ta tâche du jour, mais n'hésite pas à revenir demain. Ok. Attends, j'ai combien en argent ?
ville. Un peu de tour de là pour récupérer tout ce qui est furol. Comme ça, je peux vous mettre toute ma vie, toute ma mana, je veux dire. Bonsoir à ceux qui viennent arriver sur le live. Si tu veux parler de quoi que ce soit sur live ou autre, si tu as envie de parler, je suis là pour toi pour parler. Hein. C'est ce que je craignais. C'était un accident. Je n'avais pas l'intention d'invoquer ces glouglous et les malhommes de neige n'ont rien arrangé, au contraire. Avec les glouglous, le plus gros problème, c'est qu'ils ont toujours faim. Essayons de préparer une potion qui leur fera perdre l'appétit. Nous nous occuperons de nos amis neigeux plus tard. Voici une liste d'ingrédients pour la potion. Rapporte-la à Mindy Peau Pointue du boulevard Colosse. Oh bah j'avais fait un point pour aller à Mindy. Et ben je l'utilise. Une potion magique? Excellente idée. Voyons de plus près cette liste qu'elle nous a donnée. Je vais préparer le chaudron pour la potion dont tu as besoin. Est-ce que tu peux m'apporter le premier ingrédient? Il s'agit de panicofétide. Tu en trouveras qui pousse ici même, boulevard Colosse. Va m'en chercher un peu. Comment nous donne des ordres? Heureusement, je sais où il y en a. Dépêche de passer parce que sinon on va se faire avoir pour le combat. Et ça, faut bien vérifier partout s'il n'y en a pas des panicofétides. Thank you.
d'ailleurs, il y a eu la question tout à l'heure pour quand je ne parle pas sur le live. Et parce que moi, je suis timide, je ne parle pas. Alors si personne ne parle avec moi sur le live, vous m'entendrez jamais. Quelle affreuse odeur cette herbe! Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai perdu l'appétit. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais te fabriquer ta potion. Voici les premières potions. J'espère que ça comblera la fringale des glouglous. Je vais en préparer d'autres. Pendant ce temps, va affronter quelques glouglous et fais-leur boire la potion de panicofétide. Bon, heureusement, je sais où aller pour les glouglous. Hein. J'attends une cargaison de marchandises que devait m'apporter Kirby Longlance, mon livreur. Aux dernières nouvelles, il était plus loin dans la rue, du côté du parc. Avec tout ce remue-ménage, je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que tu peux aller le trouver et lui demander où sont mes marchandises? Je te dédommagerai, bien sûr. Oui, mais sauf que ça, on le fera après. Pour l'instant, on doit faire les gloulous. Et je me suis laissé une quête de côté pour vous la montrer. On va essayer de faire des vidéos chez Minuit avant le live. Ah bien, t'as like ta fille. Allez, messieurs, vous êtes mes deux derniers.
va nous demander d'aller voir... C'est fait ? Excellent ! Voyons si la potion a eu de l'effet. Je vais courir le risque de dire que la potion n'a pas bien marché. Je ne veux pas causer des soucis au directeur. J'ai une idée. Le roi Glouglou vit dans le grand palais tout au bout de la rue. On peut peut-être lui faire entendre raison. Je vais essayer de préparer une potion plus puissante. Toi, vois si tu arrives à conclure un marché avec le roi Glouglou pour qu'il arrête de tout manger et qu'il quitte la ville. Ok, on est parti pour le roi Glouglou, les gens. Avant le roi de Loulou. Vu que je passe devant, mieux vaut la faire. Quelqu'un m'a retrouvé enfin ? Gazoul doit écumer de rage. Par pitié, j'ai besoin de ton aide. Les glouglous ont volé mes marchandises. Ils en ont mangé une partie et ensuite ils m'ont foncé dessus. Aide-moi. J'ai promis de livrer ces marchandises à Gazoul, mais les tonneaux ont roulé partout. Est-ce que tu peux réunir un maximum de tonneaux et me les rapporter ? En échange, on se partagera les bénéfices. Là, c'est parce que je cherche s'il n'y a pas un tonneau par là. Oh, mais il y a quelque chose à récupérer par là. En même temps, c'est bien. Moi, ça va me faire voir s'il y a des trucs à récupérer ou pas. On va les vendre plus tard.
récupérer Furol. Voilà, comme ça on est plein. Oh oui. Allez, un tonneau, hein. Y a quelqu'un qui a commandé des tonneaux? Oui, moi j'en ai commandé 6. Ah putain de combat de merde. Alors toi, on va essayer de te terminer plus vite possible. Un éclair de coup. Combien il te reste de PV? 50? Ça va. Il va y voir aussi par là parce qu'il peut y en avoir. Il est par là. On a les 6, maintenant on va voir le copain.
des tonneaux. Espérons que les malhommes de neige lorgnent ma cargaison de sucre. Ils ont peur de finir dans l'estomac des glouglous s'il leur prend une fringale et préféreraient largement laisser ce rôle à mon sucre. Mais j'ai des livraisons à faire, moi. Imagine la tristesse des enfants sans leur gâteau. Pourrais-tu affronter quelques malhommes de neige que je puisse livrer ma marchandise à Cazul ? Une nouvelle baguette, hein. Pardon. Ah non, c'est pas la baguette en plus qui me faisait ça, d'accord. Thank you.
crois aussi, madame. Enquête secondaire. This is important, isn't it? Yes, it's indeed important, isn't it?
Thank you.
Ces malhommes ne seront plus un problème. Maintenant, je n'ai plus qu'à me dépêcher pour livrer ce sucre spécial à Kazul. Merci pour tout. Ah, je pourrais tenter ma chance seul, mais pas avec ce tonneau. Les glouglous risqueraient de me picorer en cherchant à avaler le sucre. Tu pourrais livrer un tonneau à ma place ? Si ces glouglous viennent te chercher des noises, tu es capable de riposter. On va rendre la quête que j'ai à rendre à Kazul. Après, on va faire le roi doudou, les gens. Même si je suis tout seul, j'aime mieux dire les gens. Hein. Et vu que j'ai mis un point comme ça, j'aurai pas beaucoup à marcher. On va aller voir le roi doudou. Mon tonneau de sucre. Si les glouglous avaient mis le grappin dessus, ça aurait mal tourné. Merci mille fois. Voilà. Et voilà, maintenant, faut aller par là. Faut aller par là. Voilà, j'ai fait ça exprès, un point, comme ça, j'ai pas beaucoup à marcher. Je vais faire les gens pour aller au roi doudou. Qu'est-ce que je fais par là, moi? Putain, c'est roi doudou. Désolé, gens, j'étais un peu fatigué. Si tu veux voir le roi, tu devras me passer sur le corps. Thank you.
Horden, hein? Die großen Typen Horden. Un tout petit, petit sorcier. Bonjour, sorcillon. Bonsoir, celui qui vient d'arriver sur le live. Et bienvenue. Tu veux que nous partions? Oh non, 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 non. Mes sujets aiment beaucoup cet endroit. Nous allons baptiser cette ville Glouglou City. Si les sorcillons font de bons serviteurs, nous vous laisserons peut-être habiter à Glouglou City. Voici mon décret royal. Tu ramasses le décret royal. Il faut maintenant le rapporter à Mindy Peau Pointue. Pour le rapporter à Mindy, moi j'ai fait un truc. Comme je fais d'habitude, tu fais aller-retour. Je sais qu'après il va falloir que je passe au quartier populaire. Pour aller voir Merle en Broide. Qui va me faire passer bientôt niveau 14. Qu'on lui abandonne sur cette ville. Là, ça risque de coincer. Je n'en reviens pas que les glouglous cherchent à s'emparer de Sorcelleville. Il faut avertir le directeur Ambroise. Apporte le décret royal du roi glouglou au directeur Ambroise. Demande-lui ce qu'il pense que nous devrions faire. Alors déjà, j'ai posé mon point ici. Et on va au quartier populaire. Voilà déjà. Hein.
C'est pas mal ce qu'ils ont fait pour Merlin Broise là. Quoi? Mais ce décret est absurde. Ce ne sont que des dessins de crème glacée et de poulet faits au crayon de couleur. Le directeur Ambroise hoche la tête avec tristesse. Les glouglous sont peut-être plus dangereux que nous ne le pensions. Je suis désolé de devoir te demander cela, mais nous devons savoir à quel point ils sont forts. Pourrais-tu en défier quelques-uns en duel? Voilà, il m'a donné des quêtes à faire. Bon, déjà, on va aller voir Clésio pour terminer notre quête avec lui. Bon sang de bonsoir, tu les as tous repérés! T'inquiète, je vais leur trouver un foyer sympa. Voici un petit quelque chose pour ton aide. Tu le mets à un de ces quatre dans la spirale? Pour un point de connaissance, cool. Voir qu'est-ce que tu vas prendre à mon niveau. École à moi, c'est quel niveau que je peux apprendre quelque chose? Si j'ai pas appris le sort. Niveau 16, d'accord. Ok. Et on est bientôt niveau 15, 14. Désolé, j'allais dire 15. Quand je voulais, j'avais quasiment oublié le point. Va montrer le décret royal du roi Glouglou au directeur Ambroise. De mon côté, je vais essayer de calmer le jeu. Ah oui. Vous, là, les mangeurs, je vous ai oublié. Il faut deux mangeurs Glouglou, là, déjà, en premier. Voilà, là j'en ai deux. Allez, toi t'es mort. Si je peux pas. Mais désolé pour le coup dans mon micro. Yeah.
avec celle-là si je prends un peu plus de points de vie. Parce qu'autrement, parce que j'ai de la chance d'avoir un pote qui m'a donné une étude. Désolé, parce que là, je vais vérifier un truc. Niveau 22, point nouveau sort, d'accord. Bon, nouveau sort gratuit. Les nouveaux sorts gratuits, il faut les prendre, hein. Pas cette pif, faut faire le gros temps.
Millennium depuis, hein. Thank you.
Attends, j'ai vu qu'elle arrête avec moi vu que tu l'as vu.
petit flop. Il y a des petits actions pour votre jeu. Et bienvenue. Et tu veux parler de quoi que ce soit pour qu'on parle, hein, parce que là moi il faut que je parle un petit peu.
Allez, un petit moins 25% dans ta gueule. Maintenant que nous connaissons la force des glouglous, j'ai un plan. Thank you.
échappe. Ta bouche. Et l'obligeance de remettre cette lettre à Mindy Peau Pointue de ma part. Tes efforts seront récompensés, tu en as ma parole. Le directeur Ambroise te remet un document d'aspect officiel. Mindy Peau Pointue parcourt le document officiel. Je pense que ce plan tient la route. Ce plan consiste à défier les deux plus proches conseillers du roi Glouglou, les barons Glotte et Rotonde. Je ne suis pas très calée en duel, donc il n'y a que toi qui puisses t'en charger.
se cachent chacun dans une tour, un à chaque bout de la rue. Occupe-toi d'eux, et le roi Glouglou changera peut-être de discours. C'est déjà l'heure du dîner? À première vue, tu feras un délicieux ragoût. Approche!
Füße von Horden. On a de la route à faire, les gars. Parce que là, en plus, après, je vais passer de niveau, là, bientôt. Après, je vais aller à Utopia. On va faire le plus rapide. Thank you.
hein, comme ça c'est plus rapide quand on a des potes, mieux vaut les utiliser, hein. Tu viens me dérober mes friandises? N'y compte pas. En garde! Moi j'adore ce jeu parce que même que tu es obligé de jouer, tu peux trouver des personnages pour chercher. Ah ta merde. Non mais on va se taper le roi les gens. Thank you.
Je vais faire un petit tour au quartier populaire pour acheter de la potion.
aller faire le, pour avoir le rôle. J'arrive à passer pour simplement aller lui parler, ce serait bien. Déjà le petit, comme ça on est tranquille après.
termine. Désolé, on le termine là maintenant. Si je frappe pas. Et voilà, on l'a terminé. Et ouais, comme des tempêtes simplement, d'accord, pour ça que je suis pas équipé. Le sorcillon est de retour. Tu viens te rendre, hein, c'est ça? Tu décris au roi Glouglou tes combats avec les barons Glotte et Rotonde. Quoi? Quoi? Tu les aurais vaincus? J'ai du mal à le croire. Je vais envoyer quelqu'un vérifier tes dires. Avant même que le roi Glouglou appelle, un messager fait irruption dans la pièce. Majesté! Les deux barons ont été vaincus par un jeune sorcier! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheur, tu dis bien la vérité. Alors dans ce cas, Glouglou City... Sorcelleville est à toi. Épargnez-nous, mes sujets et moi. Nous ne te voulons aucun mal. Tout ce que je demande, c'est que nous puissions continuer à vivre ici. Là d'où nous venons, il y a de vilaines sorcières partout. Nous avons trop peur d'y retourner. Nous allons manger moins. Il y a ma parole. Bon ben on va aller voir Mindy pour pointu maintenant. Moi je passe par là exprès, comme ça j'ai pas beaucoup à faire en chemin. Spécial Halloween si j'arrive à le faire. Bah je vais arriver à le faire. C'est 3 jours je crois. Voilà, comment terminer tranquille. Incroyable! Tu as conclu la paix avec les Glouglous! C'était inespéré! N'oublie pas de raconter au directeur Ambroise ce qu'a dit le roi Glouglou. À présent, je peux reprendre mes projets. Et voilà. Bon, avant qu'on se revoie à Merle Ambroise, je reviens. Bon ben on va aller parler à Merle Ambroise. Mon plan a réussi. Excellente nouvelle.
Tu répètes au directeur Ambroise ce que t'a raconté le roi Glouglou à propos de son monde d'origine. Eh bien, je ne compte certainement pas les renvoyer dans un monde où ils ne sont plus les bienvenus. Très bien. Qu'ils restent donc dans le boulevard Colosse. Nous avons donc de nouveaux voisins. La quête des vêtements après. Simplement au quartier populaire, je vois un truc. Les diamants et autres que je n'ai pas besoin. Bonjour, jeune élève. Tu m'as l'air d'avoir besoin d'une tenue appropriée pour protéger Sorcelleville. Je peux te fabriquer un superbe ensemble qui, en plus, te protégera toi. Pour te coudre une belle tenue de sorcier, il me faut du tissu magique. Je n'en ai plus pour l'instant, mais je sais où en trouver. Rapporte-moi d'abord l'issuaire des laquais hantés de l'avenue Triton. Je me mettrai au travail dès ton retour. Comment on va aller tuer des laquais?
Ça, là, c'est des quêtes que personne ne vous montre dans le jeu. Que je fais. Gloria. Oh, ces linceuls conviendront parfaitement. Bonjour, ceux qui viennent d'arriver tout là, bon travail. Si tu veux rendre ta tenue magique, il va nous falloir de la poussière féerique. Récupère de la poussière féerique sur les fées noires du chemin de la licorne et rapporte-la-moi. Thank you.
pas le temps de niaiser. Tout que j'ai vu un coffre en bois là. Allez, là c'est la fin. Cette poussière féerique rayonne de magie. Ta tunique sera enchantée en un tour de main. Maintenant, apporte-moi les chapeaux que portent les elfes du feu de l'allée Felin. D'ordinaire, il suffirait de demander, mais ils n'ont pas l'air d'être dans leur état normal. Tu peux sans doute les pousser à t'en donner grâce à ton charme. Fais le nécessaire pour en obtenir. Chapeau.
faible lag. La quête de Gloria là que l'on vient de faire, j'arrêterai de live dedans.
von Horden Hefner. Die großen Hüten Horden Hefner. Superbe, l'étoffe est d'une telle finesse, ce sera un plaisir de la travailler. Il me faut maintenant du cuir épais. Le meilleur de tout Sorcellville ceinture le pagne des cyclopes. Affronte quelques cyclopes et rapporte-moi leur ceinture que je puisse compléter ta tenue. Déjà un. Thank you.
Sachen am Horden, hä? Hier ist was, ein Bärenhorden, hä? Après là, je suis devant avec j'ai coupé une taille.
ce cuir est bigrement épais. Ta tenue magique sera d'une robustesse à toute épreuve. Je m'aperçois qu'il me manque encore des matériaux indispensables. Je veux te fabriquer une tenue fabuleuse. Si tu pouvais te rendre près de l'avenue Triton pour récupérer une cape des gardes champêtres de la grotte hantée, ce sera parfait. Comme ça, vous le savez. Là, j'attends juste que mon Streamlab se mette correctement. Parce que là, j'ai ma tablette, elle est à 8%.